Eh bien, yo tout le monde, tout le monde, la vidéo, les gars, ça c'est moi, j'espère que vous allez bien, les gars. Et dans cette vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, eh ben, je vais vous montrer comment jouer à Fortnite à 240 FPS et en illimité. Donc, premièrement, je tiens à préciser, les gars, il faudrait juste avoir une bonne connexion. Donc, soit vous êtes avec Filaire, ou soit il faudra avoir juste une bonne connexion. Bref, déjà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc on est à 150 abonnés les gars. On doit faire 200 abonnés bien sûr. La communauté commence à augmenter. Voilà Valé et moi je vous dis let's go. Donc les gars, nous sommes ici sur GeForce Now pour ceux qui connaissent. Voilà, je sais pas. Mais pour ceux qui connaissent pas, voici ce GeForce Now. C'est des gens qui créent des PC, des cartes graphiques, etc. Et aussi des jeux, genre, ils créent pas des jeux, mais genre, je veux dire, on peut jouer à des jeux illimités. Donc, en description, les gars, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ici dans téléchargement. Donc, bien sûr, c'est totalement gratuit, hein, les gars. Puis après, dans téléchargement, vous allez soit sur PC Windows, Mac, Nvidia Shade ou téléphone. Mais téléphone, ça dépend lesquels téléphones. Faut qu'ils soient compatibles, je pense. Sur le mien, ça fonctionne pas. Mais voilà. Nous allons sur PC Windows parce que nous sommes sur PC Windows. Le lien se télécharge, voilà. Moi, je vais pas le télécharger parce que, voilà, vous savez comment télécharger des liens. Bref, pour ceux qui savent pas télécharger, ben, allez voir sur YouTube, il y a plein de trucs. Et bref, sinon, vous connaissez. Donc, on se retrouve direct sur GeForce Now. Et donc, voilà, les gars, donc sur GeForce Now, j'arrive pas à filmer en fait parce que je filme avec Windows. Et je sais pas filmer, je sais pas pourquoi ils ne me mettent pas que je peux filmer. Mais bref, donc vous allez sur GeForce Now, puis après vous tapez Fortnite, après vous le mettez dans la bibliothèque. Puis après vous vous connectez, dès que vous êtes connecté, bah, vous lancez le jeu. Et voilà, donc ça varie avec votre Wi-Fi les gars, comme je vous ai dit. Donc vous pouvez aller voir sur les paramètres, la charge limitée. Et des fois, par exemple, si par exemple vous avez un Wi-Fi bas, et bien il vous mettrait par exemple 60 FPS, et vous le mettez directement. Moi là, je l'ai lancé, ils m'ont mis en illimité. Donc voilà, je config de mon PC. C'est 1 Go de RAM et Core i. Et donc voilà, les gars.